Bien. C'est avec un plaisir que je suis là tous les mardis et vendredis à partir de 19h, l'heure du Cameroun. Donc, nous voulons dire félicitations à tous les leaders qui sont déjà dans la salle. On a fait une séminaire formidable hier. J'espère que tout le monde a vu. Je m'attendais que tous les leaders qui voient les images doivent partager. Peut-être si nous sommes les amis sur Facebook, vous devez partager, faire du commentaire pour que le monde sache que TBC bouge, pour que le monde sache que TBC c'est réel. Parce que il est vraiment important que les gens voient le mouvement, les opportunités comme ça. Ça nous donne l'envie, au moins, je pense que tout le monde avait vu les séminaires, comment c'était très, très plein. Donc, j'attendais que tous les leaders doivent faire du commentaire, partager, faire du commentaire, partager. Bon, c'est pour dire que si les autres leaders travaillent, si les autres leaders travaillent, il ne faut pas être honte de faire le commentaire devant les beaux images ou devant de belles vidéos. Il faut toujours faire des jolis commentaires, cliquer sur like. Faut pas être chiche avec votre like, avec votre bouton de like, parce que votre bouton de like, c'est l'abondance. On a dit, quand tu donnes, ça revient. Si vous ne donnez pas, si seulement le bouton like, vous n'arrivez pas à cliquer, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans l'abondance. Donc, c'est juste pour vous, peut-être votre attention. Et si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose du bien dans TBC, soit sur YouTube, soit sur Facebook, c'est pas trop, il faut pas hésiter de cliquer sur le bouton like. Il faut liker ça. Moi, je suis pas chiche avec mon bouton like. Hein. Je vois quelqu'un, même si je ne le connais pas, qui fait de bonnes choses, je clique sur like. C'est ça l'abondance. L'abondance, ça commence dans le cœur. L'abondance ne commence pas avec les choses physiques, ça commence avec les choses que tu ne vois pas encore. Et ça commence au fond de votre cœur. Donc, c'était ça. Maintenant, beaucoup de choses se passent dans la communauté TBC aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que nous tous, on soit d'accord avec un certain nombre de choses. La première chose, c'est septembre, le mois de septembre qui est déjà presque en cours, qui est dans bientôt, on sera là. Il faut savoir que dans 7 mois de septembre qui commence, il faut être en harmonie avec toutes les personnes qui payent leurs frais d'entretien le 1er septembre. Il faut être en harmonie avec toute votre personne qui commence à payer leurs frais d'entretien le 1er septembre. Pourquoi le 1er septembre? Le 1er septembre parce que si vous êtes d'accord avec tout votre prospect de payer le 1er septembre, vous aussi, vous serez payé. Comment vous aussi serez payé? Si vous avez 10 personnes qui s'inscrivent dans cette communauté, qui vont renouveler leur compte le 1er septembre, le système va vous donner 12 dollars par personne en Bitcoin que vous pouvez retirer cash dans votre Bitcoin Bounty. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai 10 personnes qui sont déjà inscrites. Nous sommes en harmonie que le 1er septembre, chacun de nous paye notre frais d'entretien. Si tout le monde paye, si j'ai 10, non, je veux gagner 120 dollars le jour-là. Si j'ai dit non. Là, si je décide, je peux décider de retirer même 80 dollars en Bitcoin et je garde le reste pour renouveler le prochain mois. Vous voyez où je veux venir. Donc, il est important que les gens payent de cette date pour que vous aussi, vous serez payé le même date. C'est très important. C'est très, très important. Si vous êtes payé, j'espère que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Je vois Lenovo qui dit que vous m'entendez? Reste tranquille. Oui, on attend l'idée. Ah, ok. Merci, merci. Donc, je vois certains mots, les gens doivent muter le son. Donc, comme je disais, il est important que chacun paye. Moi, j'ai plus de 2000 personnes derrière moi.
Et si ces 2000 personnes payent seulement les frais d'entretien, ça veut dire que je vais gagner plus de 31 000 $ le 1er septembre. Et pour renouveler le mois prochain, ça ne sera plus un problème. Parce que je veux retirer seulement 25 $ pour renouveler. Donc, cher leader, il est important que chacun ait en harmonie avec toutes ces personnes, que chaque premier, on renouvelle notre compte. Ça veut dire que chaque premier, c'est le jour où l'argent, beaucoup d'argent va entrer dans notre poche. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important. Maintenant, l'administration veut que si vous avez plus de un TBC, le mois de septembre, vous devez être actif à partir du 1er septembre. Si vous avez plus de un TBC dans votre compte, si vous avez seulement les Kringles, ça ne vous concerne pas. Mais si vous avez un TBC en montant ou le Cookies Reward qui est équivalent de un TBC en montant, pensez à être actif à partir du 1er septembre. Moi, je dis à toutes mes personnes que payez le 1er septembre pour qu'à la fin du mois, tu n'auras pas de problème de renouveler. Payez et dis à toutes vos personnes aussi de payer le 1er septembre pour que chacun sera payé. C'est important. Maintenant, il y a quelque chose encore que les gens ont les difficultés, n'est-ce pas? Les gens ont trop de difficultés. Les nouveaux inscriptions. De nouvelles inscriptions qui sont en cours maintenant. Les gens, certaines personnes ont les difficultés pour inscrire de nouvelles personnes dans la communauté maintenant. Maintenant, si vous avez, disons que si vous avez, je veux prendre mon lien. Je veux prendre mon lien. Si vous voulez inscrire quelqu'un dans la communauté TBC. Maintenant, la première chose, c'est envoyer votre lien à cette personne. N'est-ce pas? Ou envoyer votre lien à cette personne. Et maintenant, la personne va utiliser votre lien. La première chose, c'est que la personne vient ici, il met son adresse mail. Si la personne veut payer avec Bitcoin, il va cliquer ici pour prendre Bitcoin. Écoutez très bien. En payant avec Bitcoin, ça prend du temps pour confirmer. Ça peut prendre même souvent 30 à 1 heure de temps pour la confirmation de Bitcoin. Donc, ne s'inquiète pas parce que votre compte sera, on vous donne 7 jours. On vous donne 7 jours pour vous permettre que votre Bitcoin soit confirmé, même si elle ne confirme pas pendant 2-3 heures, mais on vous donne 7 jours pour permettre que tout est confirmé. Fais quoi? Mais si vous payez avec Bulk Credit, ça sera facile parce que le Bulk Credit est déjà dans le compte de votre upline, votre sponsor. Et si vous voulez payer avec ça, vous allez envoyer ça, vous allez choisir Bulk Credit et venez ici, mettre votre adresse mail et descendre ici en bas et mettre continue to step 2, continue, étape 2. Et votre sponsor, quand vous avez déjà envoyé comme ça, votre sponsor va entrer dans son compte, n'est-ce pas? Il va entrer dans son compte, il vient approuver ça d'abord. Il approuve votre mail, que cette mail veut faire le paiement. Donc, vous allez donner l'argent à votre sponsor pour vous aider à payer avec son bulk payment. Donc, il va venir dans son compte maintenant. Il va venir sur Accounts, il vient Approve Registration Credits. Il va cliquer là-bas comme ça, là. Ça va ouvrir comme ça. Et maintenant, il va descendre en bas ici. Il va voir votre mail qui lui demande d'approuver. Regardez, il va voir Approve, Reject. Approuver, Rejecter. Vous voyez, j'ai inscrit tellement de gens chaque jour. Tellement de gens. Et il va venir ici comme ça, là. Il clique sur « Approve ». N'est-ce pas? Quand il clique sur « Approve » maintenant, ça va approuver dans une minute, deux minutes, trois minutes, disons, dans même deux minutes, ça approuve. Souvent, ça prend un peu de temps pour charger. N'est-ce pas? Quand c'est déjà approuvé, ça va vous dire que tête mail est déjà approuvé. Ça va vous dire comme ça. Maintenant, vous rentrez dans votre compte. Vous venez maintenant... Mettez votre adresse mail, choisissez votre crédit
Et venez maintenant ici que vous cliquez sur Complete Registration. Parce que c'est déjà payé. Donc, cliquez sur Complete Registration. Et ça va vous ouvrir maintenant la page pour remplir. Ça vous ouvre la page maintenant pour remplir votre nom, votre username, votre mot de passe et pour submit. Et vous pouvez accéder maintenant à votre compte. N'est-ce pas? Vous pouvez accéder maintenant à votre compte. C'est comme ça qu'il faut s'inscrire des nouvelles personnes maintenant. Vous pouvez choisir. Donc, comme je disais, si vous avez le Bitcoin, vous voulez le bulk crédit, vous pouvez envoyer le Bitcoin chez moi. J'ai le bulk crédit, je peux vous vendre le bulk crédit. Parce que quand j'ai le Bitcoin beaucoup, j'achète peut-être 1 000 bulk crédit, je garde. J'achète souvent 2 000, 3 000 pour bulk crédit, je garde ça. Maintenant, quand les gens qui ont des problèmes avec bulk crédit, ils achètent une fois chez moi, ils m'envoient seulement leur adresse mail de leur Kring Cash. J'envoie une fois là-bas dedans. Et quand vous payez avec bulk crédit, ça ne dure pas. Ça prend une minute, deux minutes, c'est déjà confirmé. Mais avec Bitcoin, avec les autres monnaies, ça prend un peu du temps. C'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser même le Cash Center où vous voyez un leader et vous avez le Bitcoin, vous envoyez à ce leader qui a le bulk crédit et vous faites payer très rapidement. Donc, il est vraiment important de savoir qu'avec bulk crédit, ça part très vite. Si vous avez déjà inscrit et vous avez les admins crédit, ça va, il y aura un autre onglet ici pour montrer admins credits. Cet onglet montre admins credits parce que vous avez le admin credit dans votre compte. S'il n'y a pas le admins credit dans votre compte, il n'y aura rien ici comme admins credit. Donc les gens disent, je n'ai pas le admins credit. Vous n'avez pas le admin credit parce que ça ne montre pas admin credit ici parce que vous n'avez pas le admin credit dans votre compte. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Il n'y a pas le admin credit dans votre compte. C'est pour là que ça ne montre pas ici. Donc, cher leader, c'est ça, il faut savoir, parce que beaucoup de gens posent des questions, ils n'arrivent pas à s'enregistrer, ça dérange, ça fait ceci. Donc, il faut savoir qu'avec ça, c'est très rapidement, ça part très rapide, mais avec Bitcoin, ça prend un peu du temps. Donc, s'il y a des questions, bonsoir, leader Billy Frank, bonsoir à tous les grands leaders qui sont dans la salle, leader Billy Frank, je vois sa tête, je ne sais pas si il est là. Je vois aussi Leader Queen. Leader Queen était trop souffrante. Je pense qu'elle aussi, ça va déjà. Bonsoir, Leader Billy Frank. Bonsoir, Leader Mbé. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. TBC est une formidable aventure humaine. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Ça nous enrichit, ça élargit nos horizons et surtout, ça nous montre que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Donc, on doit apprendre pour apprendre aux autres et c'est toujours avec beaucoup de satisfaction qu'on écoute là, qu'on participe à faire en sorte que TBC avance, quoi. Absolument, absolument. Bonsoir, Leader Queen. Elle était très souffrante et j'espère que maintenant elle revient en forme. Quand je lui vois, je suis très, très contente. Bonsoir, Leader. Merci d'être là encore parmi nous. Bonsoir, Leader. Merci. Bonsoir. Bonsoir la communauté. Comment tout le monde va? Désolée pour ma longue absence. C'était pour des raisons de santé, comme l'a dit le leader, et je suis heureuse d'être de retour. Et je salue toute la communauté et vraiment félicitations à tout le monde parce que nous voyons de jour en jour des grands changements au sein de la communauté francophone, des gens qui sont vraiment engagés tous les jours et c'est à féliciter. Et encore un grand bravo, leader Bédéry, pour son travail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux télécharger cet enregistrement parce que c'est super important pour toutes les personnes qui ont des difficultés pour s'inscrire de nouvelles personnes. Ça sera notre préoccupation aujourd'hui pour faire en sorte que chacun de nous connaisse comment s'enregistrer. Mais depuis le matin, je ne sais pas, peut-être les élites sont en train de combattre mon YouTube parce que j'ai des difficultés pour télécharger les vidéos depuis le matin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, s'ils continuent à me déranger, je vais changer le compte YouTube et chacun sera obligé de s'inscrire là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi depuis le matin, je n'arrive pas à télécharger aucune vidéo sur ma page YouTube. Je ne sais pas si c'est YouTube qui dérange, mais ce n'est pas grave. On va trouver toujours une autre solution pour télécharger nos vidéos parce qu'on a tellement des enseignements à donner à la communauté. Donc,
Si vous ne voyez pas cette vidéo très rapidement, ne vous inquiétez pas, on va toujours trouver une solution. YouTube perd son temps parce que toutes mes vidéos sont dans mon ordinateur et c'est dans un serveur en ligne et c'est partout. Donc, même si YouTube part, j'ai toujours les vidéos quelque part. Et fais quoi? On va télécharger ailleurs et vous aurez toujours ça. Donc, YouTube perd son temps. Donc, je vais prendre des questions. Je vais prendre des questions si quelqu'un a des questions par rapport à l'inscription. C'est notre objectif aujourd'hui. Les gens doivent savoir comment inscrire de nouvelles personnes. Si quelqu'un a encore des questions ou il a des difficultés encore à ce niveau qu'il n'a pas bien compris, s'il vous plaît, il faut vraiment indiquer pour que... Oui, Ouattara, Nabaha. Oui, allez-y. Même, il y a trop de son. Non, votre son n'est pas bon, leader Ouattara. Votre son, vraiment, ça fait le bruit très bizarrement, là. C'est pas trop? Oui. Il faut regarder. Oui, les écouter. Allez-y. Voilà. Ma question est que ben, j'ai pris vraiment le train en marche. Donc, je n'ai pas bien vraiment saisi la partie comment inscrire quelqu'un. Ben, cela me met parce qu'on est venu. Donc, cela dans la communauté. Ça, c'est une question. Voilà, si je peux avoir un peu de détails sur ça, ça me fera plaisir. Non, j'ai déjà expliqué. Je vais vous envoyer l'enregistrement de cette vidéo. Vous allez regarder ça là-bas. Parce que j'ai déjà tout expliqué au début jusqu'à la fin. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Oui. Vous avez une deuxième question? Moi, non. Pour le moment, comme la réunion n'est pas encore finie, je n'ai pas une question d'abord. Allô? Voilà, allô? Oui. Allez-y. Voilà. Ma première question là, ma deuxième question est que pour des personnes, ça veut dire des nouvelles inscriptions là, vous savez, quand tu payes ton compte là, quand tu payes ton propre compte, allez, après ces paiements là, vous aurez des crédits de la part de l'administrateur qui va vous permettre d'envoyer des nouvelles personnes. Oui. Mais et après ça, si y a d'autres personnes, par exemple, qui veut rejoindre la communauté, il faut payer deux fois dans le mois pour pouvoir avoir des crédits ou bien soit si ces personnes-là sont partant pour les trucs, pour les paiements des $22, c'est possible. Je veux savoir un peu, ben, je ne vois pas trop quoi. Parce que quand je vais payer mon compte, j'aurai des crédits pour payer, pour amener des gens dans la communauté. Mais et après ça, quand vous dites après ça, c'est à partir de quand? Oui, non. Ça veut dire, quand les personnes, les crédits que j'aurai là, oui. Ça veut dire, après juste ces personnes-là, des personnes que je pourrais vraiment arrêter là, après ça, net, il faut que je paye encore des dollars ou bien soit des nouvelles personnes que je vais amener et ils seront obligés de payer. Parce que je sais que quand je vais inscrire des gens, et aussi, ils auront des crédits dans leur compte pour inscrire certaines personnes. Mais pour quelqu'un qui veut participer dans le truc, dans la compétition, là, comment lui doit travailler? Leader Nabaha, écoutez, regardez. Oui. Oui. C'est pas mon compte. Oui, j'écoute. Voilà, j'écoute. Si vous êtes dans la communauté maintenant et vous payez, soit payer ou soit renouveler votre compte, n'est-ce pas? Oui. Disons que te voici. Mm-hmm. Oui. Tu as renouvelé ton compte avec $25. Je pense que c'est déjà $25 maintenant. Parce que C'est 25. Oui. Ah, c'est $25. Si quand vous renouvelez votre compte, l'admin vous donne 2 crédits pour payer 2 personnes. Oui. Maintenant, ces deux personnes, l'admin aussi leur donne le crédit pour renouveler, pour payer leur compte aussi, 2 personnes. Oui. Celui-ci aussi, il a le crédit pour payer 2 personnes. Oui. D'accord? Maintenant, à la fin du mois, après un mois, leurs comptes vont expirer. Oui. Ça sera plus actif. Maintenant, il peut décider maintenant de renouveler avec $25. Nous sommes d'accord?
ils renouvellent à partir de leur poche. À partir de leur poche, ils payent $25 à l'administration. Mm-hmm. L'administration vous donne $12.5 dans votre compte. Et celui-ci, on lui donne 12,5 en bitcoin qu'il peut retirer. Oui. Ça fait 25, ça fait 12, ça fait $25, n'est-ce pas? Oui, oui. Mm-hmm. Maintenant, tu peux décider d'utiliser ça pour renouveler ton compte ou tu peux retirer sa cash en bitcoin. Ouais, ouais. Ok. Votre question était répondu? Oui, bien sûr. Vraiment, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais précisément pour quelqu'un qui veut participer à la compétition là. Oui. Oui, à la compétition, il faut avoir deux personnes. Il faut avoir deux personnes actives. Oui. Deux personnes que vous avez déjà payées actives. Et vous avez, vous devez partir dans votre profil. Vous choisissez full timers, donc plein temps. Et maintenant, il faut avoir regardé au moins un bouton de réunion, un réunion de bouton de voix. Et oui. Tu mets le keyword, le mot-clé. Oui. Et après, maintenant, tu peux commencer à voir ton nom dans les tableaux. Au fur et à mesure que tu inscris les gens, tu vas voir ton nom dans les tableaux. Tu choisis la langue que tu veux participer. Si tu veux participer en français, tu choisis le français. Si tu veux participer en anglais, tu choisis l'anglais. Ça dépend de vous. Ok, ok. Merci beaucoup. De rien. Okay. Merci beaucoup, leader. Oui, merci, Walter. Voilà. Ok, je vais prendre notre leader, je vais prendre leader local, Luc. Luc, vous êtes là? Je suis là. Oui, allez-y. Voilà, et merci beaucoup pour le travail qu'on continue de faire. Et j'aimerais poser une question par rapport à l'explication donnée concernant l'enregistrement avec l'admin crédit. Oui. J'ai enregistré, j'ai approuvé. Et je suis revenu à step 2. Oui. Maintenant, selon l'explication que vous avez donnée, il faut que je clique sur Complete Registration. Oui. Mais Complete Registration n'est pas activé. Tu cliques dessus, ça ne donne rien. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Maintenant, je veux dire que quand vous êtes à ce niveau, vous savez, le système n'est pas encore fluide. Et. Demain, j'ai une réunion avec l'équipe technique et je vais leur donner toute cette chose que les gens ont les difficultés. Il faut savoir que quand vous rentrez, quand vous avez déjà approuvé, il faut encore utiliser ce lien. Et il faut avoir une bonne connexion, hein, parce que si la connexion est lente, ça va vraiment prendre du temps. Et il faut être patient. Quand vous rentrez, quand vous avez déjà approuvé, utilise encore le même lien d'enregistrement. Utilise le même lien. Ne rentre pas. Ne clique pas sur « Backward ». Prends le même lien, ouvrez notre onglet, mettez votre lien et venez maintenant, mettez l'adresse mail, choisissez « Bot Credit » et venez maintenant ici, cliquez sur « Complete Registration ». Après quelques secondes, 30 secondes, ça va ouvrir. Fais quoi, ça va ouvrir. D'accord. OK. Merci beaucoup, grand leader. Oui, les systèmes sont encore... Le système n'est pas encore très fluide, mais d'ici, ils sont en train de travailler. Donc ça sera je travaille dessus. Merci beaucoup, grand leader. Merci. À très bientôt. Merci. Très bientôt. Je vais prendre une autre leader, leader Ngomen, Aurélien. Bonsoir, leader Aurélien. Bonsoir à tous. Bonsoir, leader Mbé. Bonsoir. Je suis Ngomen Pamen Aurélien Brunel du Cameroun. Ouais. Je tiens à remercier déjà le leader B et son équipe, Maître Billy et autres, pour vraiment l'édification qu'ils nous apportent dans les différentes formations comme celle-ci. J'ai quelques préoccupations, mais déjà j'ai réussi à procéder comme le leader B vient de le dire tout à l'heure, parce que j'ai suivi une autre vidéo toute cette nuit d'un autre leader. Je ne sais pas s'il est du Nigeria ou bien du Cameroun. Mr. Abundance, je ne sais pas trop. Il est ici au Cameroun maintenant. Voilà. Donc, j'ai suivi une de ses vidéos. J'ai essayé de me débrouiller en anglais pour écouter. J'ai suivi pas à pas et j'ai pu enregistrer une personne avec un admin. C'est vrai que j'ai fait ça à partir de 1h du matin. La connexion était très fluide. Donc, tout ce que le leader MB dit là, quand vous avez une bonne connexion, ça s'active rapidement avec le admin crédit. Absolument. Maintenant, ma préoccupation est de savoir
L'IDEMB, vous avez dit tout à l'heure qu'il faudra, à partir du 1er septembre, faire un autre réabonnement. Je me suis réabonné le 13 août dernièrement. Donc, je voudrais savoir si je dois attendre le 13 septembre ou je dois encore repayer normalement le 1er septembre pour refaire un autre abonnement. Oui, bon, ça va dépendre de votre poche, n'est-ce pas? Vous pouvez décider d'attendre le 30 septembre, mais l'administration encourage les gens de payer le premier. Le premier, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bénéficier aussi toutes les personnes qui sont derrière vous, qui payent aussi. Et ça va faire en sorte que vous allez gagner le même jour. Quand tout le monde sera en train de jubiler, par exemple, moi, j'ai 2700 personnes derrière moi. Quand je serai en train de jubiler, peut-être même seulement 1000 personnes qui s'inscrivent. Toi aussi, tu as peut-être 5, 10, 100. Quand moi aussi, je serai en train d'être content, il faut être aussi être content. Donc, nous voulons que chacun, on a un agrément. On doit être fait une sorte d'agrément avec tous nos prospects. Écoutez, les gars, il faut que le premier, chacun paye. Parce que quand chacun paye le premier, chacun va avoir de l'argent. Je sais que ce n'est pas vraiment obligé le premier, mais l'administration encourage que chacun paye le premier. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant, que chacun paye le premier. Parce qu'on sait que si chacun paye le premier, nous tous, c'est 50-50. Nous tous, on sera gagnants. Oh. D'accord. Bon, comme je suis un simple, je suis dans un down et un offline pour certaines personnes. Les deux personnes que je suis en train de vouloir inscrire se trouvent du côté de la France. Oui. Et quand je faisais l'enregistrement, la partie où on met Cameroun pour le pays ne se désactivait pas. Ça mettait par défaut Cameroun. Mais j'ai mis leur numéro de téléphone qu'ils utilisent, leur WhatsApp qu'ils utilisent en France. Je ne sais pas si ça va déranger. Non, ça ne dérange pas. D'accord. Merci bien. Merci. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a un autre leader dans la salle qui a des préoccupations? Je prends leader Jules Kepsi. Jules, bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bon, mon préoccupation est que moi aussi, je prédis que hier, j'ai commencé à inscrire les gens à partir de le nouveau système. Bon, quand je mets, moi, je reviens pour faire actualiser la page et puis l'autre page s'ouvre seule. Parce que quand tu cliques, comme les autres ont dit, ça ne passe pas. Ouais. Donc, si j'actualise, ça passe. Maintenant, mon préoccupation, c'est que quelquefois, quand j'actualise, ça ne passe pas. Donc, je suis obligé de remettre le même email et puis demander encore. Et je retourne, je vois que c'est revenu comme avant et puis j'approuve encore. Maintenant, si ça a pu passer maintenant, je vais inscrire maintenant la deuxième personne sur le même lien. Et ça ne passe plus parce que c'est comme j'ai déjà utilisé mes deux crédits. Bon, je ne sais pas si après ça va revenir ou pas, mais c'est une seule personne seulement qui est approuvée. Mais le deuxième n'affiche plus le crédit d'administration. Ça affiche d'autres crédits, mais le crédit d'administration ne l'affiche pas. Donc, oui, si le crédit est déjà utilisé, ça sera actif. Il faut juste donner un peu du temps. Comme je disais, le système n'est pas vraiment fluide. Et quand le système sera très fluide, tout ça sera activé. Mais il faut savoir que ton compte a 7 jours. Ton compte a 7 jours quand c'est déjà payé, même si ça n'est activé pas le même moment, mais vous avez un espace de 7 jours, un intervalle de 7 jours pour que tout soit OK. Donc, tant que c'est déjà payé à une façon, à une autre, fais quoi, ça va passer. Le problème, c'est que les gens, maintenant, tout le monde veut s'inscrire. On a des promotions qui en cours vraiment. Parce que nous avons plus de 2000 personnes qui entrent par jour. Nous avons plus de 60 000 personnes qui sont déjà entrées seulement le mois-ci. Et ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter à une vitesse très rapide. Donc, on a tout ce changement et avec les gens qui veulent s'inscrire, il y a une petite délai, il y a un petit désagrément. Mais patienter, c'est aussi une façon de grandir. N'est-ce pas? On appelle ça en anglais « growing pain ». Donc, ça va s'arranger, ne vous en faites pas.
ça va aller. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Très bien. Oui, je vais prendre une autre leader, leader Conan Joachim. Bonsoir, leader Conan Joachim. Bonsoir, grand leader. Bonsoir à toute la famille. Oui, leader, attendez. Il y a un appareil à côté de vous. Vous allez éteindre cet appareil d'abord parce qu'il y a une inflexion de son. Vous avez parlé de la connexion. C'est maintenant. Allez-y. C'est ça. Donc, je disais que j'ai perdu deux crédits aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a possibilité de rattraper. J'ai utilisé le lien de mes filles pour inscrire deux personnes. Mais on dirait que ça coûte la collection. Quand j'arrive quand j'approuve, que je veux revenir. Allô, les gars? J'ai perdu. Allô? Oui. Il y a vraiment les sons désagréables à partir de votre. Oui, il y a des sons là-bas. Il y a des sons qui. Donc, qui est derrière. Donc, oui. C'est faut 10 minutes pour toi. 10 minutes pour toi. Non, donc, je disais que j'ai perdu deux crédits. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous. Allô? Là. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous. La personne doit. Oui, c'est mon petit là. Je l'ai envoyé aujourd'hui pour suivre un peu là. C'est lui qui m'emmène là. Oui, il y a une interface de son. Interference. On dit en anglais interference. Donc, son. Oui, c'est bon maintenant. Oui, allez-y. Allô? Allez-y. Voilà. Donc, je disais que à cause de la connexion, j'ai perdu deux crédits de l'un de mes filleuls. J'ai essayé de faire l'instruction, comme vous avez indiqué là. Et je suis allé là-bas pour faire approuver dans son compte, pour faire approuver. C'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis revenu pour l'inscrire maintenant, pour venir à tout son nom, à le mail, à le pays, tout ça, pour suivre, j'ai perdu, j'ai pas pu. Et puis, finalement, c'est parti. Et actuellement, c'est comme si j'ai perdu. Quand je regarde en bas d'elle, elle n'a pas de filleul. Et en plus, elle n'a plus de crédit. Okay. Tandis que ces deux crédits-là, je n'ai pas utilisé en tant que tel. Je ne sais pas s'il y a un rattrapage. Non, ça sera arrangé. Vous pouvez, si d'ici demain, ça ne rétablit pas, vous allez envoyer les messages au support. Ils vont rétablir ça. Personne ne doit payer de son crédit. Le support va rétablir ça. C'est compris. OK. C'est compris. D'accord. Merci, grand. OK. Je vais prendre aussi le leader Justin Mobepe. Il est aussi au Cameroun avec moi. Allô, monsieur Justin, vous êtes là? Il faut enlever votre son, votre micro. OK. Allez-y. Oui, bonsoir, Président. Bonsoir. Je suis là, mais vraiment, je suis complètement emmerdé parce que la connexion, vraiment, c'est désolant. Je vous aperçois seulement quelques secondes et puis c'est coupé. J'espère seulement qu'on pourra revoir cette formation en rédiction parce qu'il y a des choses extrêmement importantes que vous avez expliquées lors de cette formation pour les petits brins de temps que j'ai eu à me connecter. Il n'y a pas moyen de parler. Je n'ai pratiquement rien suivi. Et je profite quand même quelques secondes là que je vous vois, vous me voyez pour vous dire que je suis dans la merde tout à l'heure. Et je crois que je veux m'arranger pour suivre ça en rédivision après. D'accord. Je veux faire tout pour... Je suis cette formation en ce moment. Je vais faire tout pour vous envoyer l'enregistrement. J'ai aussi un petit problème avec ma page YouTube, mais je vais faire tout pour garder les vidéos et on va trouver le moyen de les partager. OK, merci beaucoup, Président. De rien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avait des préoccupations. Leader Ousmane Baha.
Bonsoir, leader. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mes félicitations à la fin dernière de séminaire. Maintenant, merci beaucoup. C'est affaire des bouts du crédit que vous avez présenté tout à l'heure. Ça dit que on peut payer avec vous pour recevoir ce crédit. Comme vous l'avez dit, moi je me renseigne, comment on paye avec vous? Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, on fait comment pour avoir ça? Explique encore comment. Ce que vous avez expliqué au niveau du crédit, qu'on appelle ça, le bout de crédit pour pouvoir payer le droit d'administration là. Je ne sais pas comment on fait pour avoir avec vous. Si on veut avoir avec vous. Parce que j'ai constaté que deux jours là, quand nous payons avec Bitcoin, ça vraiment, ça prend beaucoup de temps. Il y en a même 24 heures avant que ça vienne. Donc, dans ça là, tu ne peux pas enregistrer de nouveau très rapidement. C'est pourquoi je demande comment on peut faire pour avoir avec vous. Si ça a une box, on va parler de ça après. Oui, si vous voulez le bulk credit, parce que j'avais déjà acheté le bulk credit beaucoup, j'ai regardé. Si vous avez le Bitcoin, vous m'envoyez le Bitcoin, je vous envoie le bulk credit. C'est instantané, ça ne dure pas. Donc, dès que vous m'envoyez, dès que j'ai le Bitcoin, je vous envoie aussi dans votre compte Kringle Cash. Et ça sera okay. Facile. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Et on va voir comment on va faire pour pouvoir avoir ça. Ça, c'est plus mieux que Bitcoin. Il y a beaucoup de personnes, on a réussi à Bitcoin, ça prend du temps. D'accord. Franchement, comme tu l'as dit. Merci beaucoup. C'était ma position. D'accord. Oui, je prends Prince. Bonsoir, grand leader. Bonsoir à tout le monde. Comme moi, c'est ma première fois. Je suis content. Je suis content de participer. Dans tout ce que j'ai appris, moi, ma première. Ça, c'est cool, là. La première question était de savoir. Comment s'est fait l'enregistrement de nouveau? Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. Parce qu'on a un problème très sérieux en RDC, parce que je suis de la RDC. On est en communauté dans ces pays. J'ai compris là où vous avez dit pour les bulk credit. On envoie les bitcoins et vous allez nous envoyer ça. Là, il n'y a pas un problème. Mais ma préoccupation est de savoir comment enregistrer la personne, parce que cette procédure-là, je ne l'ai pas bien suivie. Oui, je ne sais pas. C'est comme si les autres personnes n'étaient pas encore là. Parce que j'ai la procédure, si je vais enregistrer. J'ai expliqué la procédure. Membre. Écoutez, peut-être vous n'étiez pas encore là, mais j'ai déjà pris le temps pour expliquer. Si vous voulez inscrire la nouvelle personne, vous avez votre lien. Vous envoyez à cette personne, n'est-ce pas? Quand vous envoyez à cette personne, okay. Disons que c'est votre lien, tu mets votre lien dans cet onglet et maintenant cette nouvelle personne que tu vas lui inscrire, tu mets son adresse mail ici et quand tu mets son adresse mail ici, tu vas choisir soit Bitcoin, soit Bulk Credits et tu cliques ici pour continuer à la page 2. Maintenant, quand tu continues à la page 2, tu entres dans ton compte Bitcoin. Puisque c'est ton sponsor, c'est toi le sponsor, tu vas entrer dans ton compte Kringle Cash, tu viens ici, tu viens sur your account, approve registration credit, tu cliques là-bas et là, tu viens ici, tu vas descendre ici, tu cliques sur approve credit. Tu vas approuver l'adresse mail. Nous sommes d'accord? Quand tu approuves ton adresse mail, oui. Tu vas toujours ouvrir notre onglet là, tu mets le lien et tu mets toujours le mail de la personne que tu veux inscrire. Tu mets ça ici, tu choisis Bulk Credit. Tu viens maintenant ici, tu prends Complete Registration. Tu attends un peu. Si tu as une bonne connexion, ça va ouvrir pour remplir la page de son nom, username, mot de passe, et tu vas submit.
et après tu auras accès à son compte. Et c'est tout, c'est fini. Mais avec Bitcoin, quand tu choisis Bitcoin, on va vous demander de faire le paiement. C'est vrai que j'ai dit que Bitcoin prend un peu du temps, mais il faut patienter si vous payez avec Bitcoin. Mais avec Bolt Credit, ça part rapidement. Ok, comme vous avez dit à l'autre leader de la Côte d'Ivoire, j'espère que si on a les bitcoins, on peut vous envoyer les bitcoins et vous, vous nous rechargez avec le bulk crédit. Absolument. Je ne me trompe pas bien. Oui, oui, c'est possible. Ok. Ah, ok. Oui, je pense que, merci beaucoup. Je pense que chacun encore a profité pour comprendre ce que nous sommes en train de faire. Il est presque l'heure. On a déjà fait plus de 50 minutes. Donc, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, chers Tibiciens. Vendredi encore, on aura encore une séance de formation comme ça, sauf s'il y a un leader. Leader Queen, tu es là. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la communauté? Allô, m'écoutez? Oui, oui, allez-y. Oh, bon, juste pour encourager la communauté francophone, parce que là, je vois qu'il y a vraiment, comme je disais au départ, une vraie volonté de tous les leaders à faire avancer la communauté ici, et chacun se met vraiment à la tâche. Les questions surgissent tous les jours, c'est là pour qu'il y ait de l'engouement et vraiment cela fait vraiment plaisir parce que nous avons besoin de cela, nous avons besoin d'atteindre l'objectif d'un milliard. Et avec la promotion que notre ami nous a donnée, je pense que nous allons achever cela pour ce mois de septembre qui commence aussi. Ça sera un autre mois de défi pour tout le monde. Courage à tout le monde, courage à vous tous et bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, leader. Bonne soirée à chacun. Je pense que vendredi, à partir de 19h, l'heure du Cameroun, on sera encore ensemble. Pour toutes mes amies depuis Côte d'Ivoire, je serai là à partir de 18 de septembre. Donc, commencez à préparer vous parce qu'on doit mettre le feu en Côte d'Ivoire. Donc, achetez vos tickets aux différents leaders qui sont là. Et parce que dès que je viens, on a du feu pour mettre là-bas. Parce que partout que je passe, j'ai beaucoup les options. On appelle ça comment? Les options. Ah, je ne sais pas. Donc, il ne faut pas faire couper ma langue ici, là. Donc, on se voit à partir de vendredi. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, les options.